que tout ce qui respire loue l'Éternel. O te mananga le comme ça yo. Babanzo nanga le sanjola yo. Po oyonga na zomona ilongoli bonza mena yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur Demeure officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, beaucoup de personnes sont venues vers moi pour me demander « Demeure, Fali, pour passer retrouver au parquet, Fali, pour passer retrouver au palais de justice, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il était en train de faire là-bas ? Il était en réalité allé porter plainte contre qui ?» C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Erwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Yimoukou Seyatalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @demeureofficiel, Snap Demeure Officiel. Et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458. Alors, pour ce contenu, pour faire simple, on va prendre un très bon verre d'eau et on va trinquer à la bonne heure. Si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, commenter et de partager massivement le lien. Alors, personnes sont venues me voir me demander demeure pourquoi Fali pour pas se retrouver au palais de justice, pourquoi Fali pour pas se retrouver au parquet de la Gomé. Est-ce que cela a un rapport avec le dossier de la cité du fleuve? Je tenais à dissocier ces deux affaires. Cela n'a aucun rapport avec le dossier de la cité du fleuve. Ok, Fali pour pas se retrouver au palais de justice, au parquet de la Gomé, pour effectivement porter plainte, mais ce n'est pas porter plainte contre un individu, mais c'est pour une histoire de droit d'auteur. Sa plainte est liée aux entreprises. Des entreprises de chez nous ici ont utilisé ses œuvres sans son consentement. Et c'est comme ça qu'il est allé porter plainte pour droit d'auteur. Voilà pourquoi il s'est déplacé physiquement, lui-même. Il ne s'agit pas d'un petit truc, il s'agit d'un très gros dossier. Il ne va pas se déplacer physiquement avec sa notoriété, tout ce qu'il est, pour une affaire qui concerne juste des trucs de réseaux sociaux. Non, il n'est pas allé là-bas pour ça. Il s'est déplacé physiquement parce que c'est une histoire de droit d'auteur. Il fallait que lui-même soit là présent. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé toujours d'une histoire de droit d'auteur aussi. Ici, toujours sur ma chaîne. L'artiste Alech qui a chanté Mokonzwa Mote Mamabe, cet artiste aussi avait porté plainte pour une histoire de droit d'auteur contre Abra Congo. Ils étaient en justice. Le tout dernier élément que je vous ai posté, c'est que dans cette histoire de droit d'auteur, sur le Instagram même de l'artiste Alech, il y en a, ses avocats ont rédigé un article où ils étaient en train d'expliquer comment est-ce que l'évolution des choses se faisait chez eux. Mais ils ont soulevé un point, c'est que l'Abra Congo a retiré le spot qui contenait les différents œuvres de nos artistes, entre autres Alech, Fali Ipupa et même MHD et NASA. Seulement, Fali Ipupa, Alech et plutôt Fali Ipupa, NASA et MHD n'étaient pas au courant de cela. Eux, ils ont considéré ça comme s'ils étaient en train de dissimuler les preuves, ok? Ils étaient en train de dissimuler les preuves et quand ils ont signalé cela, ils ont même tagué l'artiste Fali Ipupa, ils ont tagué MHD, ils ont tagué NASA, c'était sur le Instagram de Alech. Et les avocats les avocats de l'Abra Congo ont dit que non, on n'a pas dissimulé les preuves. Nous avons juste retiré, mais de toute façon, le contenu, et là, ça continue d'exister. Le fait de supprimer ne veut pas dire que le dossier n'existait plus. Le dossier est là, ça existe encore. Alors, et d'après ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux aussi, parmi les entreprises, parce que apparemment, Fali Ipupa porter plainte contre plusieurs entreprises hein, pour cette histoire de droit d'auteur. Entre autres, il y a la Abra Congo aussi qui a été citée.
à nouveau dans cette affaire. Donc, la présence de Fally Ipupa au palais de la justice, c'est en rapport avec une histoire de droit d'auteur. Pas une histoire de « ouais, nanani, nanana, patati, patata, on a dit, on a fait ». Non, 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 ça, ça n'a rien à voir avec lui. Donc, ces photos de lui en justice, ça n'a aucun rapport avec la cité du fleuve. Et pour ceux qui disent que le compte Twitter de M. Robert est un faux compte, alors allez bien vérifier, c'est un vrai compte, ce n'est pas un faux compte. Certaines personnes viendront vous faire croire en vous persuadant même que c'est Fally Ipupa qui se cache derrière la plainte de la cité du fleuve. Mais moi, j'aimerais vous dire un truc, c'est qu'ils sont suffisamment adultes pour se lever et porter plainte eux-mêmes contre un individu s'ils en ont besoin. Parce qu'ils n'ont pas eu honte de dire à la RTGA, ne faites plus passer les éléments de notre artiste chez vous parce qu'il y a quelqu'un qui ternit son image. Ils ont décidé ça et ça a été fait. Alors s'ils veulent, ils vont vraiment, alors vraiment porter plainte contre qui que ce soit, ok? La plainte de droit d'auteur n'a aucun rapport avec cette histoire. Et la cité du fleuve, en tant qu'une entreprise sérieuse, parce qu'ils sont dans l'immobilier, s'ils tiennent vraiment à leur crédibilité, à leur image et au respect de leurs clients, parce qu'eux, ils considèrent que chez eux, le client est roi, ok? Du respect de la confidentialité, protection de la... Parce que quand les gens viennent là-bas, ils veulent se rassurer que nous serons en sécurité, nous serons protégés. Notre intimité sera protégée, ne sera pas bafouée. La cité du fleuve, c'est pas, je ne sais pas si vous pensez que c'est juste un quartier où les gens peuvent rentrer comme ça. Non, il y a l'entrée principale de la cité du fleuve. Il y a des agents de sécurité qui sont là devant l'entrée. Et quand tu arrives, tu dois te présenter, montrer ta pièce d'identité et ils vont te demander où tu vas. Ou si tu dis où tu vas, ils vont se renseigner auprès de cette personne chez qui tu vas là-bas, s'ils peuvent te faire entrer ou pas. C'est sécurisé. Et quelqu'un a dit qu'il a débarqué comme ça, on lui a passé des informations aussi facilement. C'est vrai qu'on l'a menti, mais quand même, le fait qu'un truc comme ça s'est fait, s'ils tiennent à l'image de leur entreprise, ils ont tout intérêt à réagir. Et voilà pourquoi ils ont porté plainte. Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. On parle quand même d'un grand artiste comme Fally Ipupa. La fierté de la musique africaine, citée deux fois parmi les trois premiers artistes africains les plus influents, 5 artistes africains. Parmi les artistes africains influents, on ne peut jamais manquer de citer Fally. C'est vrai que dans notre communauté, vous pensez que c'est n'importe qui. Les gens peuvent le lapider, raconter quoi, tout et n'importe quoi. S'ils tiennent vraiment à leur entreprise, à leur crédibilité, à leur image, ils devaient se réveiller et réagir. Et c'est lui-même le propriétaire qui réagit parce qu'il sait comment est-ce que ça donne une image, au fait, de marketing, mais de dingue. Tout le monde va vouloir savoir, ah bon, Fally Ipupa habite à la cité du feu, mais c'est quoi la cité, où la cité du feu? Beaucoup de personnes ont commencé à chercher ça sur Google pour savoir à quoi ça ressemble. Hein? Et avoir une personne aussi influente dans un tel milieu, c'est aussi déjà un élément de marketing, c'est rassurant. Des personnes influentes aussi vont se dire, eh ben, si lui il habite là-bas, c'est qu'on peut aussi aller habiter là-bas, c'est que ça rassure notre sécurité au fait. Les gens n'aiment pas fréquenter partout et n'importe où, hein. Vous voyez? Donc, c'est d'ailleurs de leur intérêt. Ce sont eux qui ont plus intérêt à protéger l'image de leur clientèle. Voilà pourquoi ils sont en train de faire tout ça. Ils ont porté plainte. La plainte, c'est la cité du fleuve. Ce sont eux qui ont... Imaginez-vous que Fally dit, en tout cas, moi, quelqu'un pouvait débarquer ici pour demander des informations pour moi, sur moi. On peut donner des informations sur moi aussi facilement. Ok, on va résilier le contrat. Rendez-moi mon argent. Je vous revends les villas que j'ai achetées. Et tout ça, on trouve des clients. Je revends tout ce que j'ai acheté ici chez vous. J'abandonne tout et puis je déménage. Je vais aller acheter à la cité ou à ma campagne, à Gombe et tout. Il décide de partir. Ce sont eux qui vont perdre. Or, son image, c'est une image quand même de marque, hein, à la cité du fleuve. Vous voyez, à un moment donné, surtout les relations qu'ils ont, ils précisent qu'ils sont amis et tout. Vous voyez, ce sont eux qui ont plus, beaucoup plus à perdre dans cette histoire, en fait. Voilà pourquoi ils se sont rassurés pour protéger l'image de leur client. Et si ça commence par quelqu'un d'aussi influent comme Fally, on n'a pas eu peur de dire des choses comme ça aussi mensongères sur lui. Et à combien plus forte raison les autres qui n'ont pas encore été cités jusqu'ici. Dans ce cas-là, quelqu'un aussi peut se réveiller un matin et dire « Ah !» Donc, Eric, comment notre patron de Eric Mandala habite aussi Cité du Feu? On va aller se renseigner s'il a combien de maisons. Est-ce qu'il a une voiture? Tout le monde va commencer à faire ça. Il est temps qu'on mette un terme à ça, au fait. Et surtout que cela relève mais de la vie privée.
C'est quelque chose de très sensible. Vous voyez? Donc, je le dis et je le répète, les gens auront beau faire 7 800 000, je ne sais pas moi combien d'émissions, la réalité est telle que c'est la cité du fleuve. Fali Ipupa, c'est un client VIP pour eux, c'est une image de marque. Ils ne peuvent pas se foutre de sa gueule comme ça, rester là sans rien faire. Ils devaient réagir parce qu'ils ont rassuré leur clientèle, ils devaient réagir. Voilà pourquoi ce sont eux qui ont porté plainte. Soyez tous sur le Twitter de M. Robert là-bas. Certainement qu'il y aura encore à boire et à manger. Il va encore balancer des trucs. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de s'agiter, écrire, il porte plainte, il fait des choses. Fali, jusque-là, il vous regarde, il a dit un truc. Parce qu'il sait ce qu'il a à perdre pour un client comme ça. Parce que si les avocats de Fali disent de serrer la confidentialité de notre client, qu'est-ce que vous en avez fait? Mais ils auront chaud. Qu'on vous monte pas, c'est la cité du... D'ailleurs... Que les personnes qui disent que c'est Fali qui a porté plainte vous montrent la plainte, la convocation qu'on leur a envoyée, l'invitation pour aller se présenter au tribunal, qui montre, vous allez voir si c'est qu'elle cachait la signature et le nom de qui. Un blanc, un type comme ça, va venir se cacher derrière Fali. Et puis, si Fali veut porter plainte contre lui, vous pensez qu'il va manquer d'éléments? Il y a beaucoup de choses qu'il a fait aussi sur sa chaîne, ce chroniqueur, qui ne sont pas professionnelles. Dans tous les sens, il est foutu que ce soit Fali ou quelqu'un d'autre. Quoique, la personne qui a porté plainte, c'est la cité du fleuve. Fali a son règlement de compte avec droit d'auteur là-bas. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ah, qu'on ne vous montre pas. C'est sûr qu'ils vont venir se victimiser. Ils ont même déjà commencé à se victimiser, vous faisant croire que ouais, c'est lié à leur travail, la déontologie, nanani, nanana, leur travail de journaliste, c'est d'aller chercher des informations, patati patata, c'est bien. Atteinte à la vie privée, là, c'est l'information que tu vas chercher. L'information d'une personne que toi, tu dois aller chercher, quand ça concerne sa vie privée, c'est ce que lui-même, il a exposé. Quand il n'a jamais rien exposé, mais toi, tu entres dans sa vie privée, tu vas sortir des éléments de la vie privée, tu divulgues ça sur les réseaux sociaux, c'est ça même atteinte à la vie privée. Ça relève de sa vie privée. En ce moment, même ton avocat va te demander, hey, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Le droit, il faut le connaître. La justice là va nous lire les droits. Ils vont nous dire tel article interdit telle chose ou telle autre chose. Quand vous posez tel acte, ça, c'est suivi de telle ou telle autre sanction. On est là en train de regarder. Il était temps que quelqu'un serve d'exemple, non? Ah. Donc pour ceux qui pensent que ce monsieur est un faux compte, c'est un compte vrai. Eh oui, c'est un compte vrai, hein? Ah. Oh, on ne vous avait pas dit. C'est votre problème. Donc, commencer la victimisation et les lives collectifs de soutien. Mais la réalité, là, le mal est fait. Il y a trop de non-respect de la loi ici sur YouTube. Il est temps qu'on nous remette tous en ordre. Parce qu'à un moment donné, il faut que le désordre s'arrête. Il fallait que quelqu'un serve de leçon. Donc, si vous allez sur le Twitter de M. Robert Chouduri, vous constaterez que c'est bien écrit qu'il a rejoint Twitter depuis juin 2009. Pour ceux qui disent, ouais, c'est un faux compte, c'est même pas un vrai compte, nanana, c'est un vrai compte qui existe depuis 2009. Et ceux qui connaissent des gens à la cité du fleuve n'ont qu'à se renseigner sur l'identité du propriétaire. Allez défiler sur son compte Twitter, vous verrez les anciens posts. Ce n'est que comme ça que vous allez confirmer de la véracité de ces tweets. Et c'est tout à fait normal qu'ils se sentent choqués par ce qui se passe, tout simplement parce que, vous savez, les gens d'ailleurs ont horreur des scandales, au fait. C'est l'image de son entreprise, c'est l'image de son site quand même. À un moment donné, il ne peut pas accepter ça. Il faudrait qu'on voie ça comme ça. Vous avez vu comment est-ce que M. Jamal, pendant le procès 100 jours, il s'est retrouvé en tort, il commençait à flipper et tout. Beaucoup de personnes... ne supportent pas, en fait, des personnes, nous tout normales, hein, des gens qui réfléchissent, des personnes normales, ceux qui sont humains, n'aiment pas les scandales, n'aiment pas ce que leur image puisse être ternie. Quelqu'un de normal tient à son image, ok? La notoriété, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. La réputation, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Voilà pourquoi il ne fait que tweeter pour dénoncer ce qu'il a ressenti, au fait. Il est juste dégoûté de voir dans quel pays on est, au fait, une presse qui fait ce genre de scandale. Vous voyez? Et il a même promis que dans ses prochains tweets, il va nous ramener beaucoup plus de preuves que ça. Donc, cette histoire de la cité du fleuve et l'histoire de la présence de Fali au palais de justice n'a aucun rapport là-bas. Il s'était déplacé avec son collectif d'avocats pour l'histoire de droit d'auteur, propriété intellectuelle. On a utilisé ces choses sans son accord. C'est pas pour une seule entreprise. Il se murmure que c'est pour plusieurs entreprises, c'est contre plusieurs entreprises qui par porter plainte, les gens ont utilisé ces trucs comme ça abusivement. Surtout qu'il n'est pas trop au pays, il est tout le temps parti. Combien de pourcentage de chances qu'il soit au courant de ça?
très peu, très faible. Et puis vous savez que c'est des choses comme ça se fait seulement sur des chaînes locales. Donc c'est sur ce dossier-là qu'il est. On va pas se déplacer pour un truc des réseaux sociaux quand même. Donc voilà, prenez-lui au sérieux 2 secondes. Vous voyez, à un moment donné, il faudrait vraiment, vraiment dissocier les choses. On le dit et on le répète, c'est la cité du fleuve qui a porté plainte contre le chroniqueur de musique. Et Fally Ipupa porte plainte contre les entreprises qui ont utilisé ses œuvres sans son accord. Donc voilà, j'espère que tout est dit et tout est clair maintenant. Alors, la suite de ce dossier, nous attendons juste parce que le dossier est arrivé, les plaintes ont été déposées, les concernés ont été saisis de l'information, ils savent qu'ils sont poursuivis juridiquement et après maintenant, on va suivre le dossier de près. Nous sommes tous là sur les Twitter de toutes les personnes concernées, sur leur Instagram, sur leurs réseaux sociaux. Nous sommes tous sur les sites d'information à temps réel. Donc, nous sommes là et dès qu'il y aura du nouveau, on n'hésitera pas de vous remener les informations. L'objectif, c'est que ça serve de leçon à tout le monde pour que les gens sachent comment se tenir. Pour les histoires des droits d'auteur, en tout cas, les amis des entreprises de la République démocratique du Congo doivent apprendre à respecter les artistes, ne pas prendre leur contenu à tout va, les utiliser comme ça. Et puis voilà, non, non, non. On dit non à cela. Ils doivent respecter les artistes. Eux, ils font du bon boulot. Ils entrent en studio, ils payent leur argent, ok? Ils font des promotions dessus, ils dépensent beaucoup d'énergie et vous prenez leurs œuvres pour les utiliser comme ça, abusivement, mais ça n'a aucun sens au fait. Vous devez savoir que la musique aussi, c'est une forme de marketing, c'est aussi une sensibilisation. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont acheté juste un produit parce que c'était la musique d'un artiste ou c'était une musique que ces personnes apprécient beaucoup au fait. C'est peut-être sa chanson préférée. Ah, j'ai commencé à utiliser ce truc à cause de cette musique qui a là derrière. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui me demandent demeure la musique du spot de Vanessa Herwig. C'est qui chante et tout. J'ai dit, ouais, c'est ma petite soeur. Ouais, c'est vrai, envoie-nous ça. Je ne fais qu'envoyer la musique de ma petite soeur aux gens par WhatsApp. Vous voyez, une musique peut aussi vendre un produit. Mais à combien plus forte raison une musique d'un artiste aussi influent que Fally? Contactez-le, demandez-lui. Demandez-lui, parce que sa musique vous a servi, a peut-être été pour beaucoup dans votre propagande marketing ou je ne sais pas moi quoi. Si seulement si cette musique-là n'était pas importante, ils n'allaient pas prendre ça pour mettre. Ils ne vont pas choisir n'importe quelle musique, ils choisissent une musique qui va accrocher, qui va cartonner, surtout une musique qui a été très visible pendant un moment, qui a accroché un grand public au fait, une musique qui a été très consommée. Et dans le marketing, tout compte, la musique de fond, le visuel que vous allez faire, le type d'annonce, tout compte dans le marketing. Alors vous allez choisir une chanson qui vous a servi à vendre votre produit, mais avant, pourquoi n'avoir pas contacté l'artiste et le lui demander au fait? Peut-être même qu'il allait vous le donner gratuitement ou ça n'allait pratiquement rien coûter. Mais là, vous risquerez de payer le triple, le quadruple, tout simplement parce que vous avez utilisé la chose frauduleusement, chose qui n'est pas tolérable. Il est temps qu'on respecte nos artistes pour les histoires de droits d'auteur. Il faudrait vraiment que les artistes puissent être respectés pour ça. Déjà ici, avec nos histoires d'assurance pour la musique, ici, ils ne gagnent pas grand-chose. Et puis après, vous aussi, vous allez utiliser leurs choses aussi abusivement. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Vous savez, à l'époque de J.B. Dewera, je ne cesserai pas de le dire, mais des entreprises de la Bra Congo et tout ça, la Bra Lima, ces entreprises de boissons, là, ils étaient en train mais, de faire des grands montants, hein. Ils étaient en train de vendre, mais terriblement. Parce que ceux qui consommaient la Primus étaient pro, je ne sais pas moi, J.B. Ouera. Et ceux qui consommaient la Skol étaient pro, je ne sais pas moi, J.B. Ouera. Je ne sais même plus qui était chez qui. Et voilà, c'était des bons, des meilleurs ambassadeurs. Et surtout en ce qui concerne la Bra Congo, Fally Ipupa a signé avec la Bra Lima. Il est ambassadeur de Mudzing Class. Allez-vous, vous prenez sa chanson pour vos histoires de la Bra Congo. Ça, ce n'est pas pour créer des problèmes avec ses partenaires à un moment donné. Ouais, donc franchement, que la justice soit rendue sur ce terrain-là, c'est purement une histoire de droit d'auteur. Voilà pourquoi Fally Ipupa s'est déplacé, parce que ses droits doivent être respectés. Il s'est déplacé personnellement. Il aurait pu envoyer ses avocats, mais il s'agit de ses œuvres. Voilà pourquoi il s'est déplacé personnellement. Si c'était pour des petits trucs, quand même, ne le prenez pas pour n'importe qui.
ne va pas se déplacer pour un truc de et indi, basalakibo et tout ça, non, quand même, ouais. Donc voilà un peu ce qu'il en est de ce dossier pour ceux qui m'ont posé la question. Nous restons tous connectés pour savoir ce qui va se passer par la suite. De près, et dès qu'il y aura du nouveau, on n'hésitera pas de venir à temps et à l'heure pour vous communiquer. Si jamais vous tombez sur un Congo ça, n'hésitez surtout pas de me transférer l'élément. À chaud, je vais le relayer, quoi, vous savez. Donc voilà, sinon dans l'autre temps, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel ont des manangas et comme ça y est, papa ton anga et saint Jolayo. Oh, oh, yunga na zomona ilongoli bonza mena yote.